Qu'est-ce que t'as ? Des places pour les Dodgers, pour les Lakers et pour le fantôme de l'opéra. Fantôme de l'opéra ? Ouais, c'est du théâtre, mon pote. T'es jamais allé au théâtre ? Eh, hey, mais c'est quoi cette galère, man ? Personne n'en a rien à battre de ton fantôme de l'opéra. Franklin, il y a du fric à faire dans la culture. Bon, écoute, man, écoute-moi, Roland. Pour les blagues, c'est de la dope, cette connerie. Je t'avais dit que je voulais des places style Luther Vandross ou ce genre de mec. Ah, Luther Vandross, c'est pas de la culture. Je l'emmerde, la culture. Je veux des plans béton, man. Pas des plans pourris dont tout le monde se fout. Tu me fais passer pour un bouffon, man. Oh, vraiment ? Je plaisante pas. La prochaine fois, trouve-moi quelque chose de mieux. Ok. Sinon, ça va me gonfler, Roland. Sans deck. C'est toujours toi qui me dois. Que dalle, ouais. Tu me dois. Russell poursuit son enquête sur notre ville et sur ses crimes. Je suis dans une station de lavage avec l'homme à tout faire de l'entreprise. Vous effectuez une opération apparemment très lucrative, dites-moi en quoi elle consiste exactement. Je suis un homme d'affaires, man. Putain, qu'est-ce que tu crois qui se passe ici? Coupé. Quoi? On peut pas utiliser ce genre de langage à la télévision. Quoi? Quel langage? De quoi tu parles? Putain. Quoi, putain? Tu peux pas dire putain à la télévision. Putain, tu me lâches, man. C'est toi qui es venu me chercher pour faire une interview. Tu vas pas me dire comment parler? Bon, accélère, j'ai du business sur le feu. T'es pas le seul, nous aussi, on a... Allez, dépêche, man, embraye. Ok. Hé, hey, tu me touches pas. Ça tourne. Bonjour, James Russell qui poursuit son enquête sur notre ville. Hé, hey, Franklin. Hé, hey, tu vas, man? Bon, j'y vais, le blaireau. T'as qu'à faire une pub ou tu trouves quelqu'un d'autre. Putain, Carman! Carman! Ça va, mec? Ça fait une paye, puis je t'ai pas vu, man. Avant que... de rouleaux, je t'invite. Putain, coupe! Dans combien de temps j'ai mon blé, Franklin? Quel blé? Oh! Mais oui, bien sûr, tu parles de la thune de... du blé que je te dois! Mais je vais te payer, man! Et regarde-moi bien en face, tu sais que je vais te payer. Chaque fois que t'as appelé, j'ai eu des messages, chaque fois que t'as appelé, j'ai voulu t'appeler. Ah, m'a chouré mon phone, m'a chouré mon foutu portable, tu peux le croire, ça? Les blackos et j'aime pas les faisans. Je vais prendre deux fois mon pied en butant. Déconne pas, mec. Avec moi, tu sais que ça marche pas ce genre de van. Qu'est-ce que tu veux me buter? T'hallucines? Si tu me tues, comment je te rembourse? T'es mal, mec. Ouvre la portière, sors de ma voiture, va dans la rue et trouve-moi mon fric. Je vais le trouver, mais avant de partir, man, donne-moi une accolade, non? Tu vas te barrer, oui. Ok. Oncle Hatchett. Ah, il est canné, les mecs, on l'a jeté dans la fosse commune de Los Angeles. Mais ça va pas, mais qu'est-ce que vous foutez, les mecs? Mais vous êtes pas bien. Vous êtes en état d'arrêt. Mais j'ai rien fait, putain, merde. Bah, attendez une minute, les mecs. Vous avez le droit de garder le silence et de demander un avocat. Les mecs, attendez. Sans déconner, je vous file $5 si vous n'êtes pas les 5 $. Allez, rentre là-dedans. Saloperie de putain de gaffe, attention, ma tête, fais gaffe à ma tête. 5 $. Il a voulu me filer 5 $. Pour un tel crime, un châtiment exemplaire.
C'était James Russell et son équipe pour Canal 12 Info. On l'a eu ? On n'a rien eu du tout. Allez, on s'en va. Putain, je te jure, sans deck, man. La popo voulait faire chier. Il fallait qu'il se mette quelqu'un sous la dent, man. J'étais en train de rouler tranquillo. J'avais rien fait quand ils m'ont fait signe de m'arrêter. C'est vrai, je déconne pas. Je vivais comme le roi du pétrole, man. J'avais mes 5 tepus hyper canons dans la vague. Fait chaud, hein ? Ouais, un peu, man. Ça m'a gonflé. Imagine quoi ? Un keuf s'amène derrière moi, tous les gyrophares en délire. Sortez de la voiture, sortez de la voiture, c'est ça et ta sœur. Alors je reste dans la voiture, ouais, c'est vrai, j'avais les boules, alors je leur dis, pas question, je reste dans la tire. Et mettez plus dans la tire, elle flippait un max. Franck là, on a fait. C'est vrai, ils te disent. Toute une bande de keufs s'amène et je dis, oh non, je ne sors pas de ma tire, moi j'ai rien fait, moi. Alors le keuf arrive et me dit, tu sors de ta caisse, toi. Pourquoi t'as appelé la cavalerie, man? Il n'y avait pas besoin de renfort, papy, c'est entre toi et moi, d'ailleurs j'ai rien fait. Je lui sors ma carte grise, mon permis, tout le merdier, c'est bon maintenant, ça va, c'est ouais. C'est pas ce qu'il a fait, il commence. Attends, touche pas, merci. Il commence à me faire chier, alors je lui claque la gueule en direct, comme ça. Je lui chausse ses bracelets, je lui attache ses paluches avec, je le balance dans le fond de la wagon et je lui dis, tu vas finir par te retrouver au ballon à force de faire chier tout le monde, tu sais ça? Ils t'ont chopé en fin de compte? Ouais, ils ont essayé, un blaireau a déboulé, il a commencé à me choper par derrière, c'est comme ça qu'ils m'ont eu, c'est pour ça que je suis là. Par derrière? Ah oui, ils ont fait quoi? Ouais, ils m'ont chopé comme ça et ensuite ils m'ont bloqué. Comment? Ah, comme ça? Non, pas comme ça, les deux bras, c'était bien plus vicelard, bien bloqué, j'étais coincé, ouais, c'est comme ça, ouais, ça. Comme ça. Ouais. Dis, tu me lâches un peu, man? Hey! Qu'est-ce que t'as fait de ton t-shirt? Où est-ce qu'on va, man? Ne fais pas chier, connard. C'est à moi que tu tchatches comme ça? Va te faire enculer, connard. Quoi? Va te faire enculer. Oh, va te faire enculer, toi, espèce de sale blanc de mes deux. Thank you.
lâcher par là, man. On arrive vers la baraque de mon cousin, je crois. Alors t'as qu'à survoler son toit. Et t'as pas besoin de t'arrêter, man. T'as qu'à me larguer. Je vais pas vous déranger plus longtemps, vu que vous avez sûrement du business qui urge. Alors je vais vite me cacher. Tu vas la fermer ta gueule. Mais quoi, les mecs? Mais vous pouvez bien faire ça. Ça n'est plus besoin de moi. Les connais pas. Bon, alors dis-moi, frangin, qu'est-ce que t'as fait avec la camelote? On a eu un sérieux problème, quand même. Quoi? Parce que le mec, le contact qu'on avait par la douane, eh ben, il s'est fait coincer. Tu déconnes? Ouais. Quoi? J'ai planqué toute la marchandise dans le tableau de bord d'une Jaguar et on les récupère dans 3 jours à l'auto-expo. À l'expo dans une Jaguar? Il y en a pour combien? Ben, il y en a à peu près pour 15 millions. Super. 15 millions? 15 millions de dollars? Oh non, les mecs, vous allez m'affranchir, hein? Vous allez pas laisser un blackos dans la neige? On n'a qu'à partager ça en 3. 7 pour moi, 7 pour toi. Et toi? Toi, tu penses qu'il reste, man, parce que t'arrêtes pas de me faire chier depuis qu'on nous a mis les bracelets. Frangin, tu me débarrasses de ça. Attends, doucement, tranquillos. Hé, qu'est-ce que tu vas faire avec l'âge, là? T'oublies ce que j'ai dit, hein? Je sais que dalle pour les 15 millions de dollars et la Jaguar, j'ai tout oublié aussi. Je sais même pas où on est, man, j'ai une mauvaise mémoire. Qui t'arrête? Là, je vais arrêter, man, mes postages, toi. Tu parles, Charles? Oui, je bouge, bouge plus. Ah! Non, mais t'es pas bien, non? Tu oserais couper la main d'un black? De vrai, la porte. Toujours à vouloir tuer son prochain. Au lieu d'aimer son prochain. Pas de panique, man. Pas de la porte, là. Oh, merde. Attends, vous autres, je vais faire ferme. Après, tu me balances. Et écoutez, les mecs, c'est pas bien ce que vous faites. Attendez, vous voulez des filles, hein? Je vous ai tout ce que vous voulez. Premier choix, des blagues, des japonaises. Peut-être que vous avez faim. Je vais vous amener chez ma grand-mère. Elle fait le poulet grand-mère, les œufs au plat, les omelettes. Châtiment exemplaire. C'était James Russell et son équipe pour... Ah, ça fait mal, c'est du reportage, ça, Russell. On sent que tu as fait l'école de journalisme. Oh, écoutez, quoi, regardez-le au moins encore une fois avant de décider. Pourquoi si ça n'intéresse personne. Qu'est-ce qu'on a à cirer des combines d'un petit zonard d'escroc? Mais les gens qui se sont fait arnaquer par ce petit zonard ont quelque chose à cirer, eux. Tout ce que tu fais, c'est promener ta jolie petite gueule. Tu n'es rien de plus qu'un de ces petits branleurs camouflés en reporter. Arrêtez, là, arrêtez vos conneries. C'est comme ça, il n'y a rien à dire, mon vieux, tu es viré. Tu as jusqu'à lundi pour vider les lieux. Barclay, soyez bref. C'est l'expression « tu es viré » que tu ne comprends pas. Mais non, c'est pas à toi, du con. Je parlais à quelqu'un d'autre. Quoi? La terreur vient de frapper le Sud-Californien. Mesdames, messieurs, bonjour. Un bus transportant des prisonniers du centre de détention au tribunal de Van Nuys a été pris pour cible il y a quelques minutes, sur le pont de la première rue au centre de Los Angeles. Oh, 14 merde. Prisonniers et 2 policiers ont été tués au cours de ce que la police qualifie d'une opération de commando. Tous les corps ont été retrouvés, à l'exception de ceux de 2 prisonniers. Des témoins affirment avoir vu 2 hommes monter à bord d'un hélicoptère juste après l'explosion qui a pulvérisé le bus. Les 2 fugitifs sont recherchés en tant que complices de ce massacre. Celui qui couvrira l'événement aura gagné l'Oscar. Trouve l'hélicoptère. La police de Los Angeles. Je suis curieux de savoir qui va l'avoir. Toute information concernant ces 2 hommes. Sur la photo de gauche, l'individu que la police a arrêté à l'aéroport de Los Angeles en possession d'un faux passeport. Et sur celle de droite, Franklin Maurice Hatchett, un petit escroc local lié à plusieurs gangs de Los Angeles qui devait être traduit en justice à Van Nuys pour recel et trafic de divers biens. Les 2 hommes sont considérés comme particulièrement dangereux. 14 prisonniers qui devaient aujourd'hui affronter le juge de Van Nuys affrontent maintenant le jugement dernier, pour lequel aucune sentence ne peut être commuée. Arrêtez! Ah! Sortez! Les mains sur la tête! Hey! Je sors, mais j'ai rien fait, moi! Thank you.
James Russell? J'y arrive tout de suite. On va voir qui c'est, le petit brawler. Voilà, c'est là. Bonjour, inspecteur Pickett, et voilà Williams. Est-ce qu'il serait possible de vous poser quelques questions concernant Franklin Hatchett? Bon, Franklin est pas là, ok? Hey, il s'agit de plusieurs homicides, alors vous allez ouvrir cette porte. Je vous demande pardon. Je suis désolé. Écoutez, ça prendra 2-3 minutes maximum. Ce serait vraiment gentil de votre part. S'il vous plaît. Ouais, d'accord. Entrez. Merci infiniment. Avez-vous parlé la dernière fois? Qui ça, Franklin? Oui. Ben, il a pris ses fringues et il s'est tiré à Atlanta il y a un mois et demi. Voilà, je l'ai jamais revu depuis. Quoi? Ça vous fait rire tout ça? Vous croyez que c'est une blague? J'ai un bus bourré de macabées, plus 2-3 flics, à cause de votre braqueur. Attendez, Franklin, c'est pas un braqueur, ok? Si jamais vous essayez de protéger, je vous préviens tout de suite, ça, je vous le jure, je vais vous créer les pires en effet. Ah ouais, hey, William, doucement, s'il te plaît. On a affaire à une dame, un peu de respect. Merci. Essayez de nous aider, Paula. Je vous jure que je sais pas où il est, ok? Ouais, toi, t'avales toutes ces conneries! Écoutez, je... Oui, ça va, ça va. Si jamais il essaye de prendre contact avec vous, un petit coup de fil, d'accord? Ce serait tellement mieux qu'il vienne se livrer à la police lui-même. S'il reste dehors comme ça, Paula, il va finir par se faire tuer. Ce que je veux, c'est le protéger, vraiment. Voici ma carte. Alors, vous m'appellerez? Ouais, d'accord. Merci. Essaye de tourner. Ok. Ça devrait être rapide. D'accord. Non! Mais merde, pourquoi tu fais ça? Pour m'avoir fait gauler, saloperie! Pourquoi t'as pris un flagon ce soir? Parce que t'es recherché pour meurtre, connard! J'ai pas planté un sale gun, moi! Comment tu veux que je le sache? Bah maintenant, tu sais, si je pouvais, je te shooterais le cul à coups de bastos pour être venu avec un flagon. Les flingues tuent pas les gens, man! C'est des fils de pute qui tuent les gens, capitaine! Je comprends tout maintenant! Ouais! Je vais t'affranchir. Attends, amène ton gros cul par là. Je me fais courser à travers toute la ville. On me tire dessus de tous les côtés. C'est toi qui m'as foutu dans ce caca. Je devrais te mettre une tête, gros cul. Oh, je me dégèle. Je sais, je suis allé dans cette putain de flotte aussi. Écoute-moi. Je veux l'exclusivité. Le quoi? En ce moment, la ville entière est en train de te chercher. Les flics veulent un coupable pour la mort de leur copain. Combien de fois il faut que je te dise que j'ai pas tué un gun, man? Ils s'en foutent. Ce qu'ils veulent, c'est te voir mort. Écoute, Franklin, je te protégerai. Je te livrerai sain et sauf aux flics. Raconte-leur ta version des faits, mais je veux l'exclusivité. Je te cacherai ce week-end. Et tout sera terminé lundi. J'ai pas confiance, si tu veux savoir. Et comment ton exclusivité à la gomme va me blanchir? T'as pas confiance? Mais sans moi, tu signes ton arrêt de mort. Ils veulent à tout prix un coupable, et à ton avis, qui ils vont accuser? Toi. Qu'est-ce que tu décides? Je vais pas rester dans ce trou, man. Je veux pas rester 2 jours à glander. Exact, tu peux pas rester 2 heures à glander ici. Mais de quoi tu parles, là? Tu viens à mon mariage. Ton mariage? Ah non, tu déconnes, non, attends, je ne bouge pas. La popo me cherche, man, ils veulent me trouver la peau. Non, je reste ici, cool, cool. Watcha? Comment t'as fait ça? J'ai fait un reportage sur les artistes qui font des évasions. Et les femmes qui en sont amoureuses. Hé, apprends-moi comment tu fais ça, sans déconner. Non, on n'a pas le temps, viens. Mais si, man, on a le temps, quoi. Je veux que tu prennes une douche. Tu rases ta barbe, t'enlèves tes boucles d'oreilles, et puis surtout, tu fais quelque chose à tes cheveux. Ah, qu'est-ce que tu déconnes, man, mon brushing est parfait. Sauf que tous les flics de la ville sont en train de courir après lui.
Bon, écoute, man, je fais une retouche aux cheveux, mais je ne touche pas au clebou parce que je suis un crack. Très bien. Je vais passer un coup de fil. Je crois qu'il ne doit pas rester beaucoup d'eau chaude. Quoi? T'as très bien entendu. Quoi? Hé, hey, Blanche-Père, ça a intérêt à être nickel là-dedans. Oui, j'écoute. Barclay, c'est James, comment ça va? Écoutez-moi, j'ai Franklin à Tchette. Ne joue pas ce petit jeu-là avec moi. J'ai une érection quand j'entends ce genre de nouvelles. À mon âge, je ne peux pas me permettre de les gaspiller. Non, non, je plaisante pas. Il est chez moi pour l'instant. Ça est sauf. Enfin, pour le moment. Félicitations, tu es réengagé. Je croyais que j'étais censé avoir vidé les lieux lundi, c'est ça? C'est ce que vous avez dit? Vous avez pas dit ça, non? Oh, mais Jimmy Coco, tu n'as pas pris ça au sérieux quand j'ai dit ça. Le Pulitzer te pend au nez. Je l'ai toujours dit. Écoute, j'envoie une équipe avec un caméraman au 20e district dans, disons, une heure. Oubliez ça. Je le garde au frais jusqu'à lundi, pour avoir l'Oscar. Non, 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 ne fais pas l'idiot, Jimmy. Mieux vaut dire que courir. On va faire ce week-end 10 points d'audimat. Hé, hey, Barclay, allez vous faire foutre. C'est mon sujet. C'est vrai, oui. Bon, lundi, alors. Bye-bye. Pauvre mec. Les mains en l'air. Vic Damone. On bouge plus les mains sur le toit de la bagnole, maintenant. Vic Damone, une voix que nous n'oublierons jamais. Vic Damone. Mais qui c'est ça, Vic Damone? Les plus grands succès de Vic Damone. Grand succès de mes couilles, j'ai jamais rien entendu. Il surprit le monde entier en épousant l'actrice Diane Carroll. Et il vous surprendra encore. Comment Rital a pu avoir une belle petite blague comme ça? Inoubliable de Vic Damone. Vic Damone. Et il s'est même pas chanté. Elle l'a épousé parce qu'il avait du blé. Il nous taxe tout le temps, Zesgo. Bonsoir, James Russell. Je suis avec vous en compagnie d'Andy Roney pour cette émission spéciale. Allô? Chérie? Je pars tout de suite, mon cœur. Mais les invités sont en train d'arriver. Je suis vraiment désolé, mais quelque chose d'important vient de se produire. Plus important que notre dîner de présentation? Bien sûr que non. Voyons, j'amène quelqu'un avec moi. Qui? Un vieux copain d'université. Je suis tombé sur lui aujourd'hui. Tu es sûr que ça va? Je te trouve bizarre. Mais non, c'est parfait, très bien. J'ai... extraordinaire, je suis déjà parti, j'arrive. Je t'aime. Moi aussi, je t'aime. Dépêche-toi. Oh, mais merde. Hé, Franklin, je vais chercher la voiture. Je t'attends dehors, ok? Je t'emmerde! Trouve-toi un costume dans le placard, écroule-toi, on est en retard. Hé, hey, c'est pas nickel là-dedans, Blanche-Mère. Évidemment, il a fallu que tu prennes celui-là. C'est ta charrette, man? Ouais, et c'est mon costard préféré que tu portes. Il me va bien, non? Faut pas m'en vouloir parce que je porte ton costard comme un dieu. Je devrais être l'homme du mois dans Africa, madame. Pourquoi? Il y aurait de quoi être fier? Tu connais rien, man. T'es vraiment trop craignos. Si tu me fous le costard en l'air, on va avoir un problème. On s'en fout du costard, on a déjà un problème. Oh, putain, la piole! Tu t'émerdes bien, James Russell, t'es un petit enfoiré. Ouais, mais en attendant, moi, j'ai bossé pour l'avoir. Bah, c'est ça, t'as surtout bossé pour entrer dans une petite chatte pleine de thunes. Pas étonnant que tu te foutes que je sois innocent ou pas. En fait, tu te maries et ciao. Bon, on va mettre les choses au point pour ce soir. Tu ne parles pas, sauf si on t'y invite, d'accord? Tu restes près de moi. Et si tu fais une connerie ou une vanne foireuse, je te jure que je te tuerai de mes mains. Comme t'as fait tout à l'heure sur les docks. Je te mettrai une tête. Mes couilles, c'est ce qu'on verra, mon pote. Je te mettrai une tête. On s'est rencontrés à Stanford. Ça se trouve où? Est-ce que je sais, moi? J'en sais rien. À côté de San Francisco, où t'as eu ton diplôme avec mention en 88. Et tu t'appelles, ce soir tu t'appelles... Jonathan Smith. Smith, mon cul, oui, moi je suis moi. Une dernière chose. Ne fais aucun commentaire sur le poids de ma fiancée, elle est très sensible là-dessus. Pourquoi? Ta grosse se shoot au tacos et au McDo? Elle n'arrive plus à rentrer son cul dans... Eh mais... Ah, monsieur Cyprien. Eh, comment tu vas? Combien de fois je t'ai dit de m'appeler papa? Tu es pas trop nerveux, hein? On le serait à moi, papa. Oui, c'est vrai. Qui c'est? Eh bien, c'est un ami à moi. Je vous prête... Vic Damone. Junior. Ah oui. C'est le fils de Diane Carroll et de Vic Damone. Vous êtes moitié et moitié italien. Hé, paysan! Et moi, votre père. Nous n'aurons aucune importance. André. Mamma mia! Seigneur, quel luxe! Magnifico! Molto bella! Tutti frutti!
suis désolé, chérie. Ma fiancée, Grace, et mon ami, Vic. Vous êtes un tas. Quoi? Un tas! Ah! Un tas! T-A-H-S, très attirante, hyper sexy. Être tas comme ça, je suis sié. James, t'es un vénard d'avoir trouvé une fiancée aussi tas que ça, man. Elle est canon. Merci. De rien. Vous êtes là. Je croyais que vous étiez en train de couvrir l'évasion de ces prisonniers comme tous ces journalistes dégénérés. Maman, changez de disque. En fait, je suis en train de couvrir l'événement. Indirectement, belle maman. Combien de fois dois-je vous dire de m'appeler madame, Cipriani? Connie, c'est Vic Damone Jr., un ami de Jimmy. Racontez-nous plutôt ce que c'est que grandir dans l'univers du showbiz. Ça doit être passionnant. Oh oui, comme copain de classe, j'avais Junior Walker Jr., Sammy Davis Jr., Junior. Il m'appelle tout le temps. On se voit tout le temps. Mais que faites-vous exactement, Monsieur Damone Jr.? Je suis dans... Dans la vente. Du détail? Des places. Des places pour boursier. Courtier? Je refourgue des places, mais je peux vous avoir ce que vous voulez, si vous me prévenez assez à l'avance. C'est marrant, dit. Ça vous fait rire. Et tu... Qu'est-ce que vous diriez d'un Dom Pérignon 85? Et d'un bon Colt 45? Si vous voulez m'excuser une seconde, il faut que je te dise un mot à toi. Quoi? Viens là, il faut que je te parle. Quoi? Qu'est-ce que tu fous? À quoi t'es en train de jouer? Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Je mêle aux discussions mondaines? Ouais, c'est ça. Je vais t'enfermer à double tour dans un placard pour le restant du week-end. Écoute, man, tu vas me lâcher la grappe. C'est toi qui m'as amené ici dans un trou perdu en plein Beverly Hills au milieu des richards qui claquent leur thune. Je suis recherché pour meurtre. La popo veut me l'ego. Ma vie, tiens. Ma vie, moi, alors, ma vie, moi, tu y penses? Ta vie, je la vois très bien. Grace! Viens là, chérie. La fin? C'est magnifique. Tout ça est magnifique. Je suis vraiment heureux pour toi et pour James. Il était temps qu'il se calme, hein? Après toutes les femmes qu'il a connues. Les deux jumelles de l'école, c'était pas ça. Oh non, c'était pas ça. Il a eu un tas de femmes. Je dirais même qu'il a eu toutes les femmes qu'il voulait. Toutes les femmes, tous les mecs, je me les suis tous fait. Et voilà. Je voudrais porter un toast, si vous voulez bien. Mesdames, messieurs, tout le monde, je propose de porter un toast. Venez, c'est les fiches de Vic Damone. James, si tu veux bien. Grace, tu es sa première, sa dernière, son infini. La réponse à tous ses rêves. Tu es son soleil, sa lune, tu le guides où qu'il soit. Il est émerveillé quand il t'aperçoit. Il sait qu'il n'y en a qu'une comme toi. C'est pas Barry White? Il ne saurait y en avoir deux, crois-moi. Pour toi, il vit chaque jour. Et ton amour, il le gardera toujours. Tu es sa première, sa dernière, son infini. C'était magnifique. J'essaie de faire ce que je peux, quand je peux, où je peux. Félicitations. Vous avez un téléphone? Dans la pièce, là. Merci. Ça se voit, ce gosse est italien. C'est ressenti, c'est profond. Ouais. Allô? Allô? Salut, baby, ça va, c'est moi. Oh non, y a pas de baby, ça va, compris? Je viens de voir tes fesses aux infos. Ils disent que t'as planté des keufs. Quoi? Je viens de te voir aux infos. Ils ont dit que t'avais... J'ai tué personne. T'as planté des keufs? Mais non, j'ai pas planté de keufs. Tu t'es encore fourré dans les emmerdes. Mais qu'est-ce que t'as encore fait? Attends, ne crie pas. Ne crie pas, laisse-moi parler. D'accord, d'accord. Est-ce que tu peux parler? Bon, écoute-moi maintenant. T'as qu'à plus regarder ces infos à la con. On m'a monté un coup. Bon, où est-ce que t'as encore été traîné? Je t'attends depuis hier. J'espère pour toi que t'as pas été chez une radasse. Mais non, quelle radasse? Tu crois pas que j'ai autre chose à foutre? Je suis recherché pour meurtre, j'ai pas le temps d'aller tirer. Quoi? C'est qu'avec toi que je tire mon coup. Ouais. Et qu'est-ce que c'est que ce type-là, Carman, qui a appelé tout à l'heure ici? Il a dit qu'il allait nous tuer si tu ne lui rendais pas ses 25 000 dollars. Quoi? Jamais de la vie, je ne lui dois pas du tout 25 000 dollars. Ok, je l'ai. Il appelle du secteur 310 avec 274 comme préfixe. Qu'est-ce qu'il fait, Beverly Hills? Écoute, tu verrouilles la porte, tu réponds pas au téléphone et tu te caches sous le lit. J'arrive, ok, baby, j'arrive tout de suite. Tu me caches sous le... Nick, ça va? Tu as des ennuis ou quoi? Non, non, c'est rien, tout va bien, c'est Frank Sinatra Junior. Il a encore un problème.
On y est presque, ça se réduit à un bloc. Il est sur Roxbury, entre Sunset et Lexington. Ok, ils vont vérifier. Merde. Où est-ce que tu vas? Où est-ce que tu vas comme ça? Je m'en vais, man, je me casse. Ah, tu te casses? Qui t'a appelé, Franklin? Ton complice? T'as appelé ton complice, c'est ça? Complice? Mais qu'est-ce que tu racontes, man? Écoute bien, j'ai appelé ma gonzesse, elle est enceinte, elle a besoin de moi, je me casse. Ça fait pas partie du marché, ça. Quoi? Notre marché à la con? La vie, ça se marchande pas, pourquoi t'es toujours sur moi, hein? Pourquoi tu me donnes pas aux flics? Hein? Mais qu'est-ce que t'attends? C'est chelou, ton truc. Qu'est-ce que c'est que ces conneries de me balader jusqu'ici? Je fais le maximum pour t'aider, il faut que tu m'aides aussi. J'ai besoin de ton témoignage en direct lundi, c'est la semaine de l'Oscar, merde. La semaine d'Oscar? Mais je m'en fous de la semaine d'Oscar, tu me trimbales ici. Je cherchais pour meurtre, pas la popo, et toi tu me parles d'Oscar. Hé, hey, James, un texte. Hé, merde. C'est quoi ton histoire d'Oscar, déjà? Mais attends, tu ne m'as pas encore dit où tu allais. Grace, je suis sur un gros coup, tu dois me faire confiance. Mais qu'est-ce que je vais dire à nos invités? Tu trouveras quelque chose, je serai là au plus tard demain matin, chérie, promis. James. Je t'aime. Je sais. Je te conseille de pas te foutre de moi. Pourquoi j'essaierai de me foutre de toi? Les mecs comme toi, je sais comment ils s'y prennent. Les mecs comme moi? Ouais. Alors pourquoi t'as amené un mec comme moi dans ta foutue réception au milieu de cette bande de clowns? Je peux pas te lâcher. Que tu dis, mon cul, ouais. J'ai vu ce que tu valais, Blanche-Neige. Ah ouais, t'as vu? Ouais, alors... t'es qu'un enfoiré. T'es un sale petit bourge blanco sans scrupules. Prêt à écraser n'importe qui pour avoir ce qu'il veut. Voilà ce que t'es, il faut toujours que tu passes en premier. Que je passe en premier? Ouais, y'en a toujours que pour toi. C'est pas moi qui suis recherché pour meurtre, je te signale. Écoute, j'en ai ma claque de tes réflexions de PD, tu sais parfaitement que j'ai tué personne. C'est à cause de toi si je suis dans le caca, Riegelman. J'étais peinard en train de faire tranquillos mon business. Je vivais comme le roi du pétrole, j'avais d'emmerde avec personne. Tu t'es amené et t'as tout niqué. Tu sais combien de thunes je me faisais avec ce putain de carouache, hein? $2.88. Je vais te claquer, papa, je vais te claquer le beignet. Si tu continues, joue pas avec moi, tu vas avoir une mauvaise surprise. Je me rends pas compte, moi, quand je claque un mec, mes réflexes, ça part comme ça, je ne les contrôle plus, je me dis merde. Quoi? Pourquoi t'as fait ça, doudou? Pourquoi je claque un pauvre mec? Je ne me rends pas compte à quel moment ça va partir. Tu veux jouer avec moi, je suis dangereux, j'ai même très peur. On m'appelle le livreur de pain parce que je livre gratos des pains dans les gencives des mecs comme toi. Surveille tes arrières, man. Vérifie qu'il y a personne dans ton dos, man. Même si t'es dans ta douche ou en train de pique-niquer, vérifie qu'il y a personne dans ton dos, man. Prends à droite. C'est bon, je reste juste là. Regarde, il y en a qui sont en train de planquer pas loin. Merde! Vite, tourne. Je connais un raccourci. Ça y est! Non! Elle vient juste d'éteindre la lumière, c'est ton tour. Bien se passer. Je m'occupe de lui. Bougez pas! Hey,
là-dedans, tu n'ouvres plus. Jusqu'à maintenant, il n'y a que deux blancs qui sont entrés là-dedans. Si tu fermes bien ta gueule, tu seras le premier à en sortir. Autre chose, t'es pas blanc. T'es un mix. Ta maman est black et ton papa est portoricain, si jamais on me demande. Quoi? Salut, man. Aaron est là, dis-lui que Franklin est là, il voudrait lui parler. Non, Aaron, lui, il connaît pas Franklin. Hey, man, t'en sais quoi, toi? Écoute, dis-lui que j'étais là quand il a buté Baby Brock à MacArthur Park. Où qu'il l'a eu, Baby Brock? À MacArthur Park, espèce de débile tonton. Non, où qu'il lui a tiré dessus? Dans le derche! Tout le monde sait qu'il a tiré dans le derche! Recommence jamais ce genre de plaisanterie, ok? Oh, pardon, le gros. C'était pour plaisanter. Sale négro. Aaron, quoi de neuf, man? Ça marche, le bise? Tu vas, Franklin? Hey man, tu sais, j'ai essayé de t'appeler, mais enfin, voilà, il faudrait que tu m'aides. J'aurais besoin de guns à crédit. Encore? Encore. Oh, hey, la dernière fois, c'était pas ma faute, c'était le petit Johnny qui a merdé avec la thune. Ouais. Enfin, tu sais que le petit Johnny s'appelle maintenant Johnny l'Invisible. Ouais, je sais, je suis allé à l'enterrement, t'as bien foutu le merdier. Je l'ai vu dans sa boîte en sapin avec les fleurs et tout, mais bon, ce qui serait cool, c'est que tu me rendes un petit service. Trouve-moi-en deux. Sur le terrain, si ça joue en cette partie, et au centre, je veux pas de tes places de merde derrière c'était le panneau d'affichage. C'était une erreur, je t'ai donné les mauvais billets par erreur. Cool, là c'est ok, s'il y en a une en 700 parties, elle est pour toi. Comme si c'était fait. C'est quoi cette merde à côté de toi? Lui, il est cool, man, c'est un reporter de Canal 5 à fond. Un reporter? Il est cool, je te dis. Tu déconnes? Non, hé, 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 hé. T'as essayé de me niquer en venant ici, mon pote, alors ton nom, tout ce qu'il peut espérer, c'est une gentille pierre tombale, tu me suis? Attends, il sait rien sur toi, c'est pour moi qu'il est là. Il sait rien sur les teupus, les guns et la drogue. Aaron, Aaron! Tu sais que je suis pas du genre à t'en tuer, c'est pas mon genre, ça, regarde-moi. Depuis combien de temps on se connaît? L'école primaire? Corde à sauter? Cache-cache? Chat perché? Feu rouge, feu vert? Feu rouge, feu vert? Qu'est-ce qu'elles diraient nos mamans, hein, si elles nous voyaient? Après tous les coups qu'on a fait ensemble. On est des potes, non? Ouais. Cool. Ok, allez. T'as gagné. Tu disais que t'avais des problèmes, hein? Eh, man! Pour les tout petits, petits problèmes. Pour les bons gros problèmes. Ici, il y a tout ce qu'il te faut. Quand tu rencontres une tâche, HKMP5 dégraisse tout. À moins, bien sûr, que tu préfères un Uzi. Monté sur Silencieux Wilson. Très joli. Très pratique. En ville. Je prendrai le HKMP5. Il a une culasse fermée à la différence du Uzi. Plus grande vitesse de tir, supériorité des instruments de visée. Il est fait en Allemagne, l'autre en Israël. Il est plus précis dans le tir. Dis donc, journaleux. T'es sûr que t'es pas un putain de keuf? Ouais, je suis sûr que je suis pas une seule briflique. J'ai fait un reportage sur les armes de poing l'année dernière. Si tu la fermes pas, ton dernier reportage, il sera sur cet Uzi qui va trouer le derche, compris? Aaron, je veux pas que tu t'imagines que je critique ton artillerie, mais ça là, c'est too much, trop balèze. Faut plus léger vu qu'on va devoir courir un max. Un truc dans le genre, tiens, regarde ça, c'est ça, c'est ça, voilà. Alors un ou deux de celui-là, j'ai pas besoin de plus. Et voilà. Deux ou trois de celui-là, je suis paré, man. J'ai plus qu'à te payer. Tu sais que je suis réglo. Franklin. Hein? Quoi? Tu m'appelles si t'as des problèmes. T'inquiète pas, je t'appelle. Merci encore. Je vais te rembourser la thune dès que j'en ai l'occasion. C'est promis, à ciao. Oui. Je viens de recevoir le rapport d'Interpol sur le type qui s'est fait piquer avec un faux passeport, l'autre jour. C'est notre mec, Raymond Villard. Dernier lieu de résidence, Belgique. Il est recherché pour le meurtre d'un flic à Paris, condamné pour le casse d'une bijouterie à Londres, recherché pour un autre meurtre à Cologne, et ainsi de suite. Non, c'est pas prouvé. Si ça se trouve, ce type s'est fait rectifier quand ils ont attaqué le bus. Les légistes n'ont pas encore identifié tous les corps. Je crois que Hatchett est notre... D'après ça, c'est pas logique. J'ai une jolie petite vidéo de votre suspect. Ça vient de la caméra de surveillance d'un magasin. On va bien voir.
de l'insécurité dans les grands groupes. Reportage en direct sur le lieu du drame. Un commerçant a été abattu de sang-froid la nuit dernière en plein centre de Los Angeles. Les inspecteurs chargés de l'enquête ont déjà identifié les deux suspects grâce à la bande vidéo de la caméra de surveillance. Il s'agirait de Franklin Maurice Hatchett et d'un reporter de la chaîne Canal 12 Info. Hatchett est déjà recherché pour sa participation dans l'assassinat des 14 prisonniers et des deux policiers qui a eu lieu au cours du transfert. On vient de m'apprendre que la police vient de communiquer le nom du deuxième suspect. Il s'agit de James Russell, de Canal 12 Info. Nous vous tiendrons au courant minute par minute des développements de cette affaire. Carole King, à vous les studios. C'est la petite bête qui monte, qui grimpe jusqu'au sommet. Alors, elle passe le col et descend. Oh, les enfants, alors ça va? Bonjour tout le monde. Venez, asseyez-vous, mangez un morceau. Non, on est un peu pressé, merci, il faut que je parle. Je vais manger un morceau. J'ai une petite faim, si ça ne vous dérange pas. Une de ces faims, je me demandais quand vous alliez me dire de m'asseoir. Je crois que nous sommes en train d'interrompre un charmant petit déjeuner, il vaudrait mieux revenir. Non, c'est cool, hein? C'est cool, c'est ce que disent les jeunes, n'est-ce pas? C'est cool. Vas-y, va régler tes affaires avec Grace, discute avec elle le temps que tu veux. Je suis là, je déjeune, quand j'aurai fini, je viendrai te sonner. Allez, vas-y. J'adore ce mec, c'est son mariage qu'il tend. Y a pas meilleur copain. Tu as dit à Vic que je voulais qu'il m'appelle? Oui, je lui ai dit, il m'a dit qu'il t'appellerait dès qu'il aurait une seconde. Il était ravi d'avoir de tes nouvelles. Formidable, qu'est-ce que tu veux manger? Ce que vous avez, j'avalerai n'importe quoi. Des œufs au bacon, ça tirait? Oh, que je suis bête italien. Alors, prépare-lui un bon filoscio, mozzarella di bufala, avec une sauce bolognaise, con cipollina et quelques saucisses autour, va bene? Ça te convient comme ça? Ça me convient. Magnifique. Mettez aussi un peu de maïs italien sur le côté, si c'est possible. Grazie, mamma. C'est ta maman? Oui. Ah, c'est comme ça qu'on reste riche, ça sort pas de la famille. Oui. Et comment va la maîtresse de maison ce matin? Je n'ai jamais été la maîtresse de personne. Il a été mon premier, mon dernier, mon infini. Pupuche. Excusez-moi. Excusez-moi? Tu es peut-être allé fort. Elle est toujours comme ça? Eh oui. Mince! Mais elle en vaut le coup. Alors, quoi de neuf? Oh, merde! Mais quoi, qu'est-ce qu'il y a comme nouvelle? Non, rien. Qu'est-ce que tu leur as offert comme cadeau aux jeunes mariés? Non. Viens, je te montre. Tu les as déjà? Oui, viens. Non! Caramba! Je savais pas que t'avais une autre maison! Alors toi, t'es blindé. Prête-moi $1 million. Tu veux bien les prêter? C'est pas déconner! Hey, c'est pour combien de personnes, ce pion? On aura rien à donner. C'est tout. Viens. Je peux pas le croire, ça. Viens. Je pourrais passer une nuit? Quand tu veux. Tu es prêt? Je suis prêt, qu'est-ce que c'est? C'est le cadeau? C'est ça, oui. Regarde, ok. C'est beau, hein? Ça jette, hein? C'est beau, mais... Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Rien, c'est bon. Ça va? Tu peux leur offrir cette autocante super kitsch. Qu'est-ce qui va pas? C'est bulgare. Oublie ce que j'ai dit, c'est pas grave, c'est bon, c'est cool, crois-moi, c'est bon, c'est très bien. Ils vont pas aimer? Oh, tu sais quelque chose, toi? Ils t'ont dit quelque chose? Ah, insiste pas, quoi, je veux pas tout jacter, je fais pas partie de la famille, enfin... Parle, sois sympa, dis-moi. Ok, d'accord, ok. Bon, je te le dis, mais tu ne leur dis pas que je te le dis. Pourquoi est-ce que j'ai fait ça? Ok. Les jeunes mariés veulent un trip dans une charrette d'enfer. Oh non, on ne touche pas à la drogue dans la famille. Non, pas un trip. Une charrette. Où ils veulent aller? Mon chauffeur les emmènera où ils veulent. Quand je dis charrette, je veux dire une tire, une voiture. Oh, une voiture, j'en ai des tas à laquelle ils veulent. Ils veulent la Bentley, la Rolls, qu'est-ce qu'ils veulent? Non, pas n'importe quel type de voiture. Ils veulent une voiture de sport européenne, genre roadster. Où est-ce que je vais trouver une voiture comme ça pour demain matin? Je crois que je peux en trouver. Tu crois? Je connais un endroit. D'accord, je vais les rapporter. Pourquoi tu me les laisses pas? T'inquiète pas, je te les rendrai. C'était pour rire. Enfin, si tu veux me les confier. Tu as amené un assassin dans la maison de mes parents. Est-ce que tu vas m'écouter à la fin? Franklin est tout ce que tu voudras. Mais c'est pas un assassin, Grace. Je te demande de me faire confiance. Mais qu'est-ce que tu crois? On est censé tout partager, non? Bien sûr. Et comment on va faire demain? Eh bien, je serai là. Tu es recherché pour meurtre. On ne peut pas se marier tant que tu es recherché pour meurtre. Tu as raison. Oh, tu me fais confiance? Oui. Tu ne regretteras pas. On va bien se marrer tous les deux à l'Auto Expo. Je te le dis, moi. Oh.
Oh, il veut m'entuber. Le numéro suivant est une Mercedes Goldwyn de 1955. Il n'existe que 1400 exemplaires de ce modèle. Nous ouvrons les enchères à 100 000 $. 100 000 devant, 105 000 à droite, 105, 110, 110 au fond, 110, 115 pour madame, ça va ? Tous mes vieux amis sont là. Et où est Forbes ? 135 000, 140, 145. Salut, vieux. Alors, ça va ? Ça va. Comment ça marche, ta chaîne de resto ? 180, oui. Bravo. Génial. Je vous rappelle que Cary Grant conduisait cette Mercedes pour le tournage de La Main au Collet. Cary Grant l'a conduite ? C'est pas la plus belle voiture que tu aies jamais vue de ta vie ? Non, c'est pas du tout ça. Je te dirai quand on la verra, c'est pas celle-là. Mais qu'est-ce que tu racontes ? Elle est magnifique, je te le dis, moi, c'est pas celle-là. 90, encore un effort. 300 pour monsieur à droite. 300, nous sommes toujours à 300. 310 au fond, 310, 320. 320 pour monsieur à droite. 320, 330 000 pour monsieur au fond. Et 340 000 à droite, encore une fois. Et 350 000. Qui dit mieux ? C'est la dernière offre ? Personne ? Adjugé à 350 000 $ à monsieur au fond, entouré de trois charmantes jeunes femmes. Bravo, monsieur, et merci. Maintenant, la voiture s'en va en Arabie. Non, il l'a pas conduite, cette voiture. C'était celle qu'avait Ike Turner. Je la connaissais. Qui c'est Ike Turner ? Un vieux Mac. Personne pour 120 000. 120 000 pour monsieur, merci. 130 000 au centre, qui dit mieux ? 130 000 ici. Oh, 140 000 à ma droite. Toujours 140 000, qui dit mieux ? Nous avons 150 000 devant. C'est la bonne. Une fois, non. Deux fois. C'est pas celle-là, non. Monsieur, pour 500 000 $, allons, monsieur, qui dit mieux, 550, 550 000 devant moi et 600 000 pour monsieur, bravo, 700 000 pour monsieur là-bas, merci. C'est pas celle-là, elle est magnifique, qu'est-ce qu'il te faut ? Adjugé 700 000 dollars. Le modèle que vous pouvez admirer est une Jaguar XK140 Roadster de 1951, fabriquée spécialement pour la princesse Grace de Monaco. État général, neuf. Nous ouvrons les enchères à 100 000 $. 100 000. C'est celle-là, c'est la charrette, tu es sûr ? 100 000 $ à droite, 105 000. 105 000. 105 000 pour monsieur, merci. 105, qui dit mieux ? 105, personne pour 110. 110 en bas, 110, 115. 115. 115, oui, nous sommes à 115. Personne pour 120 ? 120, une offre à 120, merci. 120 000. Oui. 125 000 pour monsieur, une offre à 130 000. 130, monsieur ? 130. 130 pour monsieur. Nous sommes à 130 000, 130 000 toujours, 135 000. Voilà 135 000 pour monsieur qui vise en direction de ce chef-d'œuvre de la mécanique. 140. 140 pour monsieur qui souhaite la bienvenue à cette challenger. 140, merci monsieur. Une offre à 145. 145 pour monsieur à ma droite. Je crois que nous avons 150. Mais qu'est-ce que tu fais ? Ça va pas, arrête-toi. 155. Oh, 155 toujours pour monsieur. 155, une offre à 160. 160, une offre à 160 000 à ma gauche. Qui 160, c'est celui-là ? Une offre à 160 000 $ pour l'instant. Je reviens tout de suite. Mais on est en plein. Splendide Jaguar. Une offre à 165 000. Tu me le plombes tout de suite, ce bruit. Qui dit mieux ? Allô, la police ? Ouais, écoutez, faut que vous veniez aux enchères autour tout de suite, les mecs. Ceux qui ont buté les flics sont là. Ouais, ils sont là. Ils tirent dans le tas, ils allument tout le monde. Ils ont pété le moule. Je vous dis. Eh, les keufs veulent te causer, ils s'amènent. Ils veulent tchatcher avec toi. Ils veulent savoir où ils vont te ramasser. T'es mort, mon vieux. Les keufs rappliquent, man. T'es mal barré. Il y en a un sapé en noir et l'autre il a un petit smoke mytho, les mecs. Dépêchez-vous, nom de Dieu, ça commence à pisser le sang ici, c'est compris ? 175 à droite pour monsieur, merci monsieur. 175. Il y a les flics partout. Faut qu'on se casse là, vite fait. À droite, 180. 180. 180 à droite, allons messieurs, 180, qui dit mieux ? Qu'est-ce qui se passe ici, nom de Dieu ? Et toi, tu fous quoi ici, nom de Dieu ? Toi et moi, on va mettre les choses au point. Et tout de suite. Pour commencer, je te remercie. Et moi aussi, je suis recherché pour meurtre. J'attends tes explications. Eh, hey man, moi et le Rital, on était là en train de looker des vagos de luxe et de mater les esgons, relax. Tu m'en diras tant. Moi, j'ai le King Kong qui enfle la tonf, le flic qui vire au black. Et ça me nique les lattes. Ça veut dire quoi ton putain de jargon de merde ? Eh, hey man, je voulais pas te mettre une tête, mais je vais te mettre une tête ! Ok. Et va te faire voir, reste pas en face de moi. Je vais pas être long. Oh, t'as fait une connerie là ! T'aimes ça, hein ? T'as merdé sur ce coup-là, man ! Viens voir ! Allez, viens ! Encore ! Connard ! Ah, tu me cherches ! Attends. Oui. Monsieur ? Oui. Monsieur ?
remercie infiniment et bravo. Yeah! T'es le meilleur! Je te rejoins dehors. Pourquoi? Je te rejoins dehors. Not bad. C'est bien ça? Non, papa, James est innocent. Et l'autre Zig? C'est le fils de Vic Damone, oui ou non? Je ne sais pas. Qu'est-ce que ça veut dire alors? Il est 100% moulé. Mais qu'est-ce que ça fait? Il a mangé une omelette à la mozzarella de maman. C'est ça le menteur des fils de pute. Hé, fini le mariage. Tu n'épouses plus, pas question que tu épouses ces petits salopards. Mais voyons, il y a plus de 300 personnes qui viennent demain. Bon, ils arrivent, ils mangent, ils boivent, ils chantent et ils vont se faire voir. Pardon. Et je suis censé leur dire quoi exactement? Leur dire que notre fille était sur le point de se marier à une espèce de couille molle de reporter le bidon. Ce n'est pas une couille molle, au contraire. Je veux pas le savoir. Oh, s'il te plaît, j'ai confiance en lui et je l'aime. Ne le juge pas aussi vite. Je préfère te prévenir. Si ton James vient ici, je lui casse les deux jambes. Et pour Vic Damone Junior. Ce n'est pas Vic Damone Junior. Qu'est-ce que je raconte? Chérie, avale ça. Ah, moi aussi. Va fan culo, mamma mia. Personne t'a suivi, t'es sûr? Oui. T'es sûr? Mm. Tu en es sûr? Oui, négro, j'en suis sûr, ok. Regarde sous la table. Quoi? Regarde sous la table. Regarde ça. Non, je veux pas savoir. Alors tu te débarrasses de ça parce que moi ça me fout la trouille. Enfin, mais qu'est-ce qu'il prend? Avec ça,
on est tranquille pour le reste de notre vie. On n'aura plus rien à foutre. Qu'est-ce qu'on va faire? Où est-ce qu'on va aller avec ça? Avec ça, on peut aller où on a envie d'aller avec ça, chérie. Je pensais qu'on pourrait s'acheter un petit bout de terrain. Bébé, ça craint trop, ça. Tonton, ça craint trop. Ça craint rien de rien. Il n'y a rien de moins craignos. Sans compter que c'est la seule façon que j'ai de me tirer de cette chienlit. J'ai le numéro de l'inspecteur. Il avait... Mais quoi? Tu veux que j'appelle les graisses? Ces enfoirés ont essayé de me tuer. Tu voudrais que je les appelle pour leur dire où je suis? Écoute, qui vient de me buter. Bébé ne sera pas un fugitif. Tu veux pas appeler les caves? Très bien. Enfin, peut-être que ce reporter, il sait comment arranger les choses, lui. Qui, James Russell? Oui. Connerie. Oublie-le, ce James Russell. Je l'emmerde. Et me regarde pas comme ça. Ça sert à rien du tout. Je t'ai vu, hein. C'est pas la peine de me regarder comme ça. Monsieur Russell, encore une fois, réfléchissez. Où sont mes diamants? Qui sont près de moi ont menacé de me tuer si tu leur donnais pas les diamants. Ce dont t'as oublié de me parler. Quel diamant? Les putains de diamants, sale pédé. Medulla longada. Quoi? Dis-leur de viser la medulla longada, c'est pile derrière l'oreille, tu sentiras rien. C'est pas le moment de déconner, Franklin. Je suis dans la merde jusqu'au cou. Écoute-moi. 3h du mat, hangar numéro 7, aéroport de Long Beach. Apporte les diamants dans un sac en plastique. On pèsera tout ça. Je t'emmerde, c'est moi qui dirai pour le rencard. Espèce d'enfoiré de blanc. Qu'est-ce qui se passe? Il a raccroché. Si ça se passe sur son secteur, tu te retrouveras toute seule. Si ça se passe sur le mien, on a peut-être une chance. Il va rappeler. Qu'est-ce que je te disais? Écoute bien, enfoiré, voilà ce que... Maman, oh, je savais pas que c'était toi. Maman, je t'ai pas reconnu. Non, je vais pas tuer de keuf, maman, rappelle-moi plus tard. Rappelle-moi, passe pas ton temps devant les infos, il faut pas croire tout ce qu'il raconte à la téloche. C'est qui? J'écoute. Ok, alors écoute bien le deal. Ligne des 50 yards, 3h du mat, Coliseum. Et si le petit Jimmy est cané, tu peux dire ciao à tes diamants. Hé, hey, Carmine, ce soir je te paye, connard. Et en diamant. En diamant? Où est-ce qu'un merdeux comme toi a déniché des diamants? Coliseum, 3h du mat. Williams? Hé, hey, le keuf. Ouais? C'est Franklin Hatchett. Rendez-vous au ouais. Coliseum, 3h du mat. Oui, 3h du mat. Coliseum. Soyez là. Ouais, on sera là. Ok. C'était Hatchett. Il est décidé à se faire coffrer. Je vais le dire au patron. Oh non! Oh. Fais pas ça, mon vieux. On va se le serrer, toi et moi, comme des grands. Allez, viens. Ouais. Allô? Roland, c'est moi. Réveille-toi, le vieux. Qu'est-ce que tu veux? On a besoin de toi dans la cabine ce soir, man. Je t'en vaudrai ça, ok? If you want me to stay, I'll be around the day to be available for you to see. Hé, hey, avance, t'es là, man. Décoche le phone, quoi. Tu m'as dit que t'appelais si j'avais des problèmes. J'ai besoin de toi au Coliseum ce soir, me laisse pas tomber, on est les frères. Thank you.
fait un geste. Si t'essaies seulement de te gratter le cul, t'es mort, mon pote. Hé, hey, attendez, quoi? C'est moi le Brom qui vous a appelé tout à l'heure, vous vous rappelez? Le Mongol que vous recherchez va arriver ici. Alors calmos, les Dalton. On va vous filer une médaille pour ça. Je vous mâche le travail et vous, vous voulez tuer un aigle? Donne ton arme, Franklin. Donne ton flingue! Tu peux te le mettre où je pense. Tu vas nous donner ton arme tout de suite. Qui dit que vous allez pas essayer de me buter pendant que je vous le donne? Je vais te buter si tu me donnes pas ce flingue. Je vais te buter moi aussi, enfoiré. Comme ça, ça fera deux enfoirés de moi sur tes pieds. Donne-lui ton flingue, sale connard! Pauvre merde! Tu lui donnes ton flingue! William, ferme ta gueule! On va te faire voir, gros con. Je lui donne rien du tout. Bon, écoute. Personne te tirera dessus si tu me donnes ton flingue, Hatchet. Je te donne ma parole, allez, donne. Je fais confiance à personne. Baisse ton arme. Baisse ton flingue. Le tien d'abord. Et donne-le-moi. Tu baisses le tien d'abord. Personne n'a envie de mourir ici. Allez, mon vieux, donne-le doucement. Donne-moi ton flingue. Si je te donne mon flingue et qu'il me tire dessus, je t'éclate la gueule. Écoute, il te tirera pas dessus si tu me donnes ton arme. Surveille bien le petit blanc, là. Ok. Les renforts vont arriver. Maintenant, tu vas me dire où sont les diamants. Ça veut dire quoi, les renforts vont arriver? Hé, hey man, qui c'est qui t'a parlé des diables? Inspecteur, qu'est-ce que ça veut dire, tout ça? Mon Dieu! Merde! Sale fils de pute. Tu viens de buter mon collègue. C'est toi qui viens de le buter, sale pourri! Non, non, c'est ton arme. Où sont les diamants? Inspecteur, une caisse! Vous avez mes diamants! Ensemble alors. Attendez, attendez.
dessus, sinon tu auras ma cage. De près. Va à la tour de contrôle tout de suite, à la tour de contrôle. Il y a des complices, ce Black Rose. Tiens ça.
c'était juste pour rigoler. J'ai ta dombe. C'est ça que tu veux? Hein? C'est ça que vous voulez? Allez les mecs, allez chercher vos diables. S'est pratiquement transformé en champ de bataille. Parmi les morts se trouve Raymond Villard, le chef d'un important réseau international de malfaiteurs, à l'origine de l'assaut du bus lors du transfert de prisonniers vendredi dernier. A noter aussi la mort de l'inspecteur Bobby Pickett. Nous venons d'apprendre que ce policier véreux n'était autre que l'informateur de Villard. J'ai à mes côtés Franklin Hatchett, l'homme tenu préalablement responsable des événements désastreux qui ont conduit à cet effroyable carnage. Franklin, quelque chose à ajouter ? Premièrement, je voudrais dire que j'étais innocent et tous ceux qui me croyaient coupable, ils peuvent aller se brosser. Hé, maman, je t'aime, tout va bien. Paula, je t'aime aussi, baby. Prépare-toi, on va faire la braque. Sors le poulet, le pain de maïs et le soda. Les mecs, je serai de retour au carouage lundi matin. On prendra tout le stock à moitié prix. Bye, ciao. Bien. Merci beaucoup, Franklin. C'était James Russell en exclusivité pour Canal 12. À vous, le studio. Quelqu'un parmi vous voit-il un obstacle à l'union de ce couple? Parlez si vous le souhaitez. L'alliance, s'il vous plaît. C'est pas l'alliance. Fais pas chier. Cool, man, relax. C'est mon cadeau de mariage. C'est une cérémonie sacrée. Je sais que c'est sacré. Ça aussi, c'est sacré.
you.